Alors, qu'est-ce que la géopolitique? C'est un terme qu'on entend énormément en ce moment avec les événements en Ukraine, la guerre en Ukraine. C'est la géopolitique, c'est un concept qui étudie les effets de la géographie physique et humaine sur la politique internationale et les relations internationales. Il faut savoir que c'est une notion qui a été inventée au 19e siècle, beaucoup développée par Bismarck, qui a été l'unificateur de l'Allemagne, mais par contre, il y a eu ensuite des travers puisque ça a été repris par Hitler en disant qu'il avait besoin du Lebensraum, c'est-à-dire que l'Allemagne étant centrale en Europe et qu'elle avait une population dynamique, elle avait besoin de s'agrandir. Quand vous regardez une carte, ça veut dire s'agrandir sur la France, s'agrandir sur la Pologne, s'agrandir sur la Tchécoslovaquie et s'agrandir sur les pays scandinaves. Donc, la géopolitique, c'est un bon instrument d'analyse pour savoir quelles sont les influences sur les relations internationales de la position d'un pays, de son accès à la mer, des fleuves qu'il y a autour, des montagnes, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui a été utilisé depuis 150 ans pour excuser, expliquer ce qui était inexcusable et inexplicable, c'est-à-dire l'expansion d'un pays qui attaque un autre pays sans raison, simplement en prétendant que c'est dans son intérêt géographique, géopolitique.